Salut à tous, je fais cette vidéo. J'ai vu l'émission touche pas à mon poste, sur la légalisation du cannabis en France. Alors, ça va faire. Ça fait en tout cas 40 ans qu'ils n'arrivent pas à régler le problème, quoi. Malgré les interdictions, malgré les saisies, malgré les arrestations, il y a toujours autant de stupéfiants et il y a toujours autant de consommateurs. Parce qu'il faut bien se dire une chose. Quand quelque chose est interdit, on aime braver l'interdit. Surtout quand on est jeune. Surtout quand on est jeune. On veut faire la même chose que ses copains pour être intégré dans le groupe. On fait comme les autres. Pour être accepté dans le groupe, c'est une façon d'être accepté. Ce qui a été mon cas. Donc, déjà, si on enseignait à nos gamins à l'école un maximum de prévention sur ce genre de choses, parce que plus on met dans la tête d'un gamin, plus les jeunes, et puis plus on le martèle ce message de prévention, et plus ça marchera par la suite. Donc voilà ce que devrait faire la France. Déjà, première chose, mettre de l'argent pour la prévention à l'école. Alors, en ce qui concerne les ouvertures de coffee shop, alors ceux qui sont contre disent que ça va exploser le nombre de consommateurs, ce qui est faux. Ce qui est faux, parce que ne me dites pas qu'une personne qui n'a jamais fumé de sa vie, si du coup l'État vient à légaliser et à ouvrir des coffee shops, et à pouvoir en vendre une certaine quantité, soit tu peux fumer sur place, dedans, dans le coffee shop, interdiction formelle de fumer dehors. Sinon, c'est une amende. C'est ça qu'il faudrait faire. Ou alors, ouais, bon, quand vous êtes membre d'un club ou d'un coffee shop, vous avez une carte avec votre nom, tout. Comme en Espagne ou d'autres pays, vous avez votre carte, vous devez avoir 20 ans pour pouvoir vous en acheter, et vous pouvez acheter seulement pour un jour ou deux de consommation. Comme ça, il n'y a pas de revente par derrière. Le client va pas aller revendre. Une autre chose aussi, en France, si c'est pour ouvrir des clubs ou des coffee shops pour mettre des variétés d'herbes à 5% de THC, ou voilà quoi, ça sert à rien. Parce que une plante cultivée sous lampe,
peut atteindre jusqu'à 30% de THC. 32, 32%, grand maximum 32. Donc, si c'est pour ouvrir des clubs et vendre du cannabis à 5%, vous oubliez, les gens, ils vont pas venir acheter dans le coffee shop. Par contre, l'avantage dans un coffee shop, c'est que vous fumez un produit qui est analysé, contrôlé. On sait avec quoi elle a été arrosée, avec quel produit, avec si elle est bio ou plutôt un peu chimique, les engrais. Et voilà, c'est la solution. Il y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. En France, vous êtes les pires, franchement. 135 € d'amende si tu as même 1 gramme de shit sur toi. Ça, pour moi, c'est profiter au fait de la faiblesse des gens, parce que pratiquement tout le monde a une addiction. Certains c'est le sport, d'autres c'est le chocolat, d'autres c'est le café, d'autres c'est le sexe, d'autres c'est des médicaments, d'autres c'est la varap, la montagne, le footing. Voilà. C'est tout des choses qui augmentent le plaisir dans la tête, quoi. L'euphorie, le plaisir. Et ben voilà, quoi. Chacun a sa façon de se faire plaisir. C'est humain, ça fait partie de l'organisme humain, il fonctionne comme ça. Fumer, manger, tout ça c'est un plaisir qui déclenche un plaisir dans le cerveau, et voilà, c'est comme ça. Maintenant, ceux qui sont contre, ouais, on va ouvrir des coffee shops, après les dealers dans la rue vont commencer à vendre, ils vont arrêter de vendre de l'herbe, ils vont commencer à vendre d'autres choses et tout. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Tu trouves dans la rue, tu trouves ce que tu veux, héroïne, cocaïne. En France, que ce soit en France, en Suisse, ça, il n'y a pas de problème, hein. Cocaïne, vous allez caler dans certains endroits en Suisse. Eh ben, les dealers, ils sont là. Ils sont là, ils se promènent. Ils sont pas statiques, mais ils bougent dans la rue. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Voilà, et c'est pas normal. C'est pas normal que, voilà, que c'est pas normal que dans que ce soit en Suisse, en France, qu'il y ait des régions où on trouve plus facilement de la cocaïne ou de l'héroïne que du cannabis. Et ça, je trouve ça lamentable. 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 Dernier argument encore. La personne qui ne fume que du cannabis, d'accord? Il doit aller se fournir où? Dans la rue. Ou alors chez un ami. Mais dans la rue. Dans la rue. Il y a plein de choses qui se vendent. Et c'est là que le piège se referme. C'est que on vous propose d'autres choses. Voilà. Ça va vite. Alors que voilà, s'il y aurait des coffee shops, il n'y aurait pas ce problème-là. Voilà. Voilà mon message. Et puis,
L'État français laisse faire aussi, hein. Il laisse faire un peu le trafic, hein. Parce que imaginez s'il mettrait vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Vous savez le résultat que ça va donner? Eh ben, les gens seront en pénurie pour vendre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des carjacking, ils vont faire des braquages de kiosques, ils vont faire des braquages. Voilà. Voilà. Et ça peut finir très mal, ça peut finir en mort, ça peut finir en tétraplégie, chaise roulante, à cause d'une balle. Voilà. Voilà ce qui se passe si vous forcez encore plus. À marteler sur les stupéfiants, et ben voilà ce qui va se passer. Ciao tout le monde, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord, mettez un commentaire. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. La petite cloche, s'il vous plaît, et à une prochaine.